J'ai eu une vie difficile. Ma mère est morte quand j'avais 17 ans. Mon père a changé les serrures de la maison. Et j'ai commencé ma vie d'adulte en dormant sous des ponts. Je sais ce que ça fait d'être seul, sans aucune famille pour nous soutenir. Je sais ce que ça fait d'être un SDF et de dormir dehors. Je sais ce que ça fait de ne pas pouvoir s'acheter à manger et d'être tiraillé par la faim. Je sais ce que ça fait d'être dépressif, de se sentir rejeté, abandonné, ou d'avoir envie de se suicider. Pourtant, malgré la difficulté, je n'ai pas abandonné. Je me suis toujours relevé, car quels que soient mes déboires et mon désespoir, j'entendais toujours cette petite voix au fond de moi qui me disait de ne pas abandonner et de garder espoir. Finalement, c'est parce que j'ai été seul que j'ai pu prendre conscience que l'on n'est jamais seul. Ces épreuves m'ont rendu plus fort. Elles m'ont appris. Elles m'ont appris à communiquer avec l'invisible. Ainsi, les guides ont pu me prouver que quelle que soit ta situation, il existe toujours une solution. Mais nous devons traverser les ténèbres pour y trouver notre lumière. Les guides m'ont montré le chemin. Aider mon prochain, donner mon temps et mon énergie pour aider des êtres humains. Je suis devenu voyant et maître Reiki. Et depuis 10 ans, je le fais, j'aide mon prochain. Et depuis, je vis au paradis, sur une nouvelle terre. Une vie en harmonie avec moi-même, que je n'aurais jamais cru possible de réaliser. Cela prouve que tu peux partir de rien et finir très très loin, si tu t'en donnes les moyens. Mais tu vas devoir avoir la foi et croire en ton destin. Aujourd'hui, je suis membre de l'Académie. Nous aidons les personnes qui désirent apprendre à communiquer avec leur guide. Des personnes qui aiment aider et qui désirent aussi en faire leur métier. Nous recrutons et nous formons des thérapeutes de l'éveil. Et nous donnons aujourd'hui les moyens à chaque humain de réaliser son rêve. Aider son prochain, c'est s'aider soi-même. Le chemin le plus noble pour retrouver sa souveraineté est de construire la nouvelle terre en sortant de la 3D. Alors si toi aussi, plutôt que de suivre les chemins imposés, t'as envie d'écouter ton cœur et de réaliser ta mission d'âme, il te suffit de décider dès aujourd'hui de changer de vie. Et tu verras que la vie est simple. C'est nous qui la compliquons. Notre seule limite, c'est nous-mêmes. Et que si tu as envie de te réaliser, la vie t'en donne les moyens. C'était le message d'Hermès. Si toi aussi, tu as envie de changer de vie, envoie-moi un message. Je te souhaite de passer la plus belle des journées et je te dis à très bientôt.